Papier dans la machine. Oh, c'est pas bête ça. Bah ouais, mais j'avais pas regardé la machine avant aussi. Ça tape des mots. Oh là là, quel est le fuck? Ça tape vraiment tout seul. Ça tape, on dirait, une sorte de message. En tout cas, chez moi, il apparaît pas. C'est vrai? Il me semble pas l'avoir enlevé. Ah, ça s'est arrêté d'écrire. Prends! Oui! C'est comme si quelqu'un avait tapé un message. Ok. Attends, mais... Ah, zut! Je voulais lire. Alors. Ma chère... Nephew. Nephew, c'est bizarre. Tu es en grand danger. Tu dois sortir d'ici le plus vite possible. Tu n'as pas beaucoup de temps. Elle va me trouver et continue à me torturer. Donc il y a longtemps, ta tante avait utilisé un glyphe de protection pour arrêter les trucs pas naturels, enfin les bêtes pas naturelles, enfin, ou surnaturelles peut-être plus, qui venaient de l'autre monde. You will find this behind the wall. Tu dois trouver ça derrière le mur. La note s'arrête brusquement. Ah merde. Derrière le mur? Mais ça m'aide pas du coup. Ah, ça veut dire neveu. Ah ok, je connaissais pas ce mot. Non, mais quel mur? Quel mur? Papier peint. Ah, peut-être pour le coup. Not behind. Ah, c'est ça. Bien joué. Juste trouver le bon. Ok. Il y en a en bas. Et ben voilà. Et ben enlève-le. J'essaie d'enlever le... Et ben vas-y. Ah ah, ça doit être le glyphe. Enfin le truc. Donc, attends de parler dans sa note. Ben je vois rien en fait, hein. Merde, oh merde, le jeu a bugué. Je crois que le jeu a bugué. Ah, coucou Atrocious. Coucou. J'ai encore cassé le jeu. J'ai encore cassé un jeu, je vous jure, je fais pas exprès. Ah, la lumière est revenue. Si je redescends... Ah, c'est bon, c'est reviendu, c'est bon. Alors, le cliff. Mon oncle m'a demandé toi le glyphe, mais je ne sais pas ce que je dois faire encore pour le moment. Super, donc en fait on n'avance pas. C'est super. Ouais, est-ce que je peux casser le glyphe avec le buste? J'en sais rien. C'est marrant, j'ai encore une feuille de papier. Ou alors je peux... Mais non, mais... Je peux brosser le glyphe. Comme ça, il est tout beau. Ça a l'air important, je vais pas le ruiner. Oh. Ça, je peux peut-être le prendre en photo. Ah, c'était pas bête, en tout cas. Peut-être que le glyphe fait écouter la radio. Alors, si je fais écouter la radio... Non, ça marche pas. Je sais pas. Le problème, c'est que, ouais, on a un glyphe, mais ça nous fait pas avancer, quoi. Il est toujours là, le truc mûche. Peut-être que le glyphe l'a fait partir. Oh, non. Je vais pas le poignarder. Ah, je vais mourir. Oui. On va dessiner le glyphe sur la feuille. Oh, mais avec quoi? Parce que j'ai une feuille, mais j'ai pas de... Oh, je sens qu'on va beaucoup le voir, cet écran. Vous êtes mort. Oh, déconnez. Bonononum. Ah, mais c'est marqué le nombre de morts. Je suis déjà mort 10 fois. Incroyable. Et merci pour cette mort, Dark Soul. Ouais, alors le glyphe...
Après, le personnage, quand on regarde le glyphe, il nous dit que il sait pas encore quoi en faire pour le moment. C'est peut-être que ce sera utile plus tard et que pour le moment, je peux pas. Non, non, non. J'ai dit que j'étais forte au point and click. Je clique sur le monstre, il se passe quoi? Bah, il me bouffe. Putain, il doit me manquer un objet, c'est pas possible. Mis la soluce plus haut? Où ça? Où ça? Où ça plus haut? Allez, plus haut! Oh, tu me trolles! Oh, t'es vilain! Oh! Oh là là, le modo! Ah ouais, non, mais le modo, là, tu vois ta paye. Tu vas la diviser par deux. J'ai mis un pavé. Ah, mais pour de vrai? C'était pas un troll! Non, non, je le vois pas. Non, non. J'ai cru que tu me trollais. Eh, ça aurait pu être le cas. Hein. Bah ouais, je sais, je peux pas passer. Faut que je me débarrasse de lui, là. Peut-être que je peux déchirer les chaussettes, non. Mais les chaussettes sur le... Mais c'est un bus, ça n'a même pas de pied. Oh, ça va. T'es pas drôle. Mettre le pinceau dans la chaussette. Non, là, c'est bon, je commence à faire n'importe quoi. Bannez-moi. D'accord. Bon, t'as pu enlever le papier peint pour voir le glyphe. Il l'a fait automatiquement. Enfin, automatiquement, il l'a fait sans objet, comme ça. Parce qu'on savait qu'il y avait un truc derrière l'un des papiers peints, mais je pense qu'avec les autres, je peux rien faire. Ouais, non. Qu'est-ce qu'il fait, le modo? Le modo, il craque. Il supprime des gens et tout. Je peux découper ça. Oh, putain, je sais pas. Ripaillatan. Je suis coincu. On sait qu'il y a une énigme, mais il faudrait que le monstre bouge. On sait qu'il y a sûrement un truc à faire avec du bruit pour le faire bouger. Mais voilà. J'ai pas de quoi faire du feu. Ah, mais il me manque un truc. Je sens qu'il manque un petit objet de merde. Ça a l'air fragile! Si juste j'avais lu. Hein? Oh là là, il y avait une clé. Ok. Ok. Ah, qu'est-ce que je pouvais avec ma clé? Non. Non, là, il va rien. Twitch me censure. Bah non, on voit pas ton pavé, non. Ah oui, non, là, il n'y a pas de... Il y a d'autres trucs fermés. Ah oui, dans le bureau, les tiroirs, là. Tom, 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 tom. Là. Ouais, dans le bureau, ouais. Bref. Oui, c'est la bonne. Oh, yes. Alors, voyons ce qu'on a. Un petit marteau. Ah, un screwdriver. Et ben voilà. Parce que j'étais en train de me dire, ok, j'ai un marteau, je sais pas du tout quoi faire avec. Et ben voilà. J'ai pu enlever donc les batteries qu'il y avait dans la radio. Ah, mais j'ai plus la radio. C'est juste pour récupérer les piles. Qu'est-ce que je fais de mes piles? Ok, j'ai un tournevis et un marteau maintenant. Ah, est-ce qu'avec le marteau, je peux enlever les planches de bois qui sont en bas? Sillon. Et ben voilà, c'est ça. Oh là!
Comment que je suis forte. Ah, et je récupère des vis, du coup. Et, enfin, pas des vis, des clous. Et des planches en bois. Eh bah, ben, parfait. Oh, ce progresse. Ton téléphone marche avec des piles. Oh. Ok. Pot de peinture. Ça pourrait être utile. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait qu'il y avait quelque chose dans la machine. Ouais, bah oui. C'est trop lourd à bouger. Ah, si seulement j'avais un truc qui puisse me servir de levier. Et ben avec le... What the hell? Attends, quoi? Ah non, mais pour bouger la machine en entier. Ah oui, parce qu'il y a une trappe en dessous. Et ben avec une planche. Je sais pas, moi. Bon, attendez. La radio, je l'ai plus. J'ai plus la radio. Ah, bah attendez, on peut faire un feu avec le bois, peut-être, maintenant. Yay. Peut-être la feuille, aussi. Oui, bah voilà, parfait. Et maintenant, l'allumette. Et bah voilà. Ça marche. Le bois a pris feu. Ah, et ça va peut-être... Eh ben, c'était pas long. Maintenant, quoi? Ben, j'en sais rien. Ah si, maintenant, j'ai du charbon. J'ai l'impression que je vais faire de l'art. Genre, j'ai des clous, j'ai du blanc, j'ai du noir. J'ai un tournevis, j'ai toujours mon marteau. Est-ce que je peux pas colorer les chaussettes en blanc? Non. Ou en noir? Pour faire un petit singe. Avec... Non. Et mes piles, j'ai vu nulle part où je pouvais mettre des piles. C'est des classes d'art plastique, c'est ça. Et toi, est-ce que tu veux un pot de peinture? Non. Non, mais lui, si je retouche, il va encore me buter. Qu'est-ce que je peux faire? Charbon dans la peinture? Non. C'est pour ça. C'est pour ça. Bon, derrière moi, on est d'accord qu'il n'y a rien d'intéressant. Hein. Non. Oh pardon, je bâille, je suis désolée. Marteau sur mon chelou. C'est vrai que j'ai même pas essayé. On peut essayer de lui mettre un high kick. Hein. Dans le doute. Pif! Non. Je pense que le combat, il faut oublier. Tournevis pourra ouvrir la table de... Ah, ça c'est pas bête. Yep, peut-être, ouais. On est à 11 morts. Passe de mon PC à mon téléphone histoire d'amorcer la nuit. Prépare-toi, vas-y. J'espère que tu rêveras de lui cette nuit. C'était le tiroir. C'était lequel de tiroir? Il y en avait un que je pouvais pas ouvrir comme ça. Le bureau peut-être aussi. Le film est intéressant. Hein. Non. Je sais pas s'il me reste des tiroirs à ouvrir en fait. Je crois que j'ai plus de tiroirs à ouvrir. Parce que là, il n'y a rien d'intéressant. Non, j'ai plus de... J'ai plus de tiroir à ouvrir. Putain, mais qu'est-ce que je peux faire avec mes chaussettes? Les chaussettes, elles me stressent. Hein. Attendez, j'ai des clous. Tournevis sur la porte. Oh putain, la porte qui a pas de poignée! Non? Je ne vois aucun tourne... Oh là, mais il est con, lui. Ou le marteau?
Oh putain, je pensais vraiment que ça allait être ça, quoi. Et là, je pense que je peux récupérer les trucs aussi, là. Putain, mais qu'est-ce que je fais avec mes piles? Ah oui, le coffre. Oui, il y a un coffre. Oh putain. Non, le mec, il se dit, c'est un tournevis. Si je ne vois pas de truc à tournevisser, je n'essaye pas, quoi. Mettre les clous dans la chaussette. Non. Chaussette accrochée à la cheminée, t'attends que le Père Noël vienne la livrer à Solis. Pas facile. En tout cas, j'aime bien le jeu. Il est cool. Je le trouve chouette. T'as un pinceau et de la peinture. Oui, c'est vrai, oui. Bon, après, ça, c'est pas vraiment des trucs pour peindre, mais... J'ai un pinceau plein de peinture. Mais j'en fais quoi? Attends, je vais peindre le monstre en bas. Oh, coucou Marc, comment tu vas? Est-ce que je peux peindre le charbon? Je fais un petit smiley dessus. Oh. Ah bah, peut-être que je peux peindre la chaussette maintenant. Tu veux que je peigne quoi avec ça, moi? Ah, est-ce que je dois refaire le glyphe quelque part? Non. La méchance, si j'essaie de faire vers le monstre, je vais encore crever, hein, merde. Make-up, il ne t'improvise le Oh, tu veux pas le maquiller, quoi, n'importe quoi. On peut pas maquiller le monstre, quoi. Essaye de peindre un tableau. Je suis sûr que j'en fais des petites moustaches. Le A, ah, la peinture est déjà finie. Est-ce que j'ai vu un tableau qui était pas fini? Je ne suis pas un peintre, mais oh. Il n'y a pas de tableau. Comment il se rabaisse, mais grave. Ah oui, ça, j'ai pas ouvert. Là, je sèche, hein. Sur le miroir, mais je vois vraiment pas pourquoi je fais ça. Non. Je fais des trucs n'importe quoi. Ça marche au bar. Ma mère, merci beaucoup d'être passé dire bonjour. En tout cas, ça fait plaisir. Bonne soirée à toi. Des bisous. Porte, tu veux toujours pas l'ouvrir, hein. Les tiroirs, on a le petit coffre. Hein? Oui. Et là, il me faut un levier. Là, j'ai rien pour faire levier, là. Je pense qu'il va me falloir une crowbar ou un truc comme ça. Les piles... Bah, y a pas de piles dans les machines comme ça. Non, je pense que s'il me parle d'un levier, c'est qu'il faut vraiment un levier. Il y a un truc à ouvrir en bas. Ouais, là, ouais. Mais il faut un levier. Il faut un levier. Pour faire du bruit. Ah, la machine. Ouais, mais elle a pas l'air d'être en... On parle juste d'un levier, ouais. Chaussettes, fil aiguille, glue, marteau tournevis, pile.
clous, charbon, pinceau. Mais qu'est-ce que je fais avec mon pinceau? Pinceau. Pas lui balancer des clous? Oh, n'importe quoi. Il y a un truc à faire avec les chaussettes aussi. Ouais, on n'a pas vu d'autres portraits. Genre chelou. Pas facile ce jeu. Attends, c'était trop facile, ça serait pas drôle, hein, mais. Et là, j'ai plus d'idées par contre. Je peux pas faire un truc sur le portrait de mamie. J'ai pas de raison de faire ça. Bah si, c'est rigolo. Mettre les clous ici. Putain, mais il me faut une poignée aussi. Je peux pas faire une poignée? La veste au sol, bah on a ramassé déjà un papier. Mais je crois que je peux rien faire d'autre avec. Hein. Tu dois raisonner en fonction des actions restantes dans chaque pièce. Il reste plus que deux, ouais, bon. Ah, est-ce que je peux les enlever, les boutons? Ah, j'ai pas le temps de les réparer. Oh. Tu peux récupérer une poignée sur la porte à l'étage? What? Ah putain! Oui, regardez, on voit une vis là. Oh! Ouah, j'aurais jamais trouvé! Ah, ça paraît logique, mais non, j'aurais pas trouvé. Ok. Ça pue, non? Mamie est devenue démoniaque. Mamie? J'ai un mauvais pressentiment à propos de ça. Bon, nous! Ah, mais je pensais pas qu'elle allait m'attaquer! Ah oui, d'accord. D'accord. Je m'attendais pas à ce qu'elle m'attaque. Je pensais que c'était juste un truc, genre, pour nous faire peur. Putain, merci à trop sur ça. Voilà. Pif. Elle triche, mamie. Non. Faut pas que je prenne la porte. Ok, il y a un truc précis à faire encore. J'ai pas de lumière en plus. Ah, je peux peut-être essayer de la peindre maintenant. Ah, peut-être. C'est peut-être le bon moment de la peindre, ouais. Vous avez raison. Tiens, regarde. Messieurs, regarde, t'es toute blanche. Ah, j'espère que le glyphe de protection mentionné par mon oncle a vraiment des pouvoirs pour arrêter cette image. Ah, on fait le glyphe dessus. Ah ouais. Boudou boup boup. Je ne peux pas croire que j'ai refait le glyphe aussi facilement. Ok, super. Ça a marché. Bah parfait. GG. Ah non. Alors en premier j'ai vu ça, après j'ai vu ça. Ah, qu'est-ce qui arrive ici? C'est censé être ma chambre. Mais c'est. Voilà, c'était vraiment pas comme ça la dernière fois que je l'ai vu. Ah, Hugo, ah oui, il était là. Je me demande où il est maintenant. Hugo, c'est l'enfant. Oh merde, qu'est-ce qui arrive aux lumières? Je vais crever. J'ai rien pour de la lumière. Hein. Heureusement que j'ai toujours un peu de batterie dans mon téléphone. Je vois rien, moi. Oh non. Non, il va se passer une connerie. Oh non, à l'aide. Il y a des bruits. À l'aide. Est-ce qu'il a bougé? Non, il y a des grincements. Faites pas genre. Oh non, un clown! Il me terrifie! Oh là là.
Ok, il y a un gros teddy. Cette poupée est extrêmement creepy. Oui. J'ai le sentiment qu'elle veut me tuer. Je pense que c'est pas qu'un sentiment. Le lit. Oh non, j'aime pas ce bruit. I need... Ok, il faut que j'essaie de rétablir les lumières. Ok, ouais. On va enlever le truc. Ah, il y a quelqu'un qui a fait de la merde avec les câbles. Je peux pas le toucher avec les mains, je vais être électrocuté. Non mais attendez, il y a le clown là qui vient de faire du bruit. Putain, le clown n'est plus là. Ah, mais j'ai récupéré une paire de gants. Mais il m'a aidé le clown finalement. Je pense qu'on va peut-être se dépêcher, non? Je sens que je vais crever. Pif! Fuck! Attends. Il faut que j'y bouge genre comme ça? Oh mon dieu! J'en ai pour 3 millions d'années. Je peux pas les tourner. Non, au moins je peux pas les tourner. Ça va être si long. Non, c'est pas le bon. À l'aide. Non. On va faire le plus facile en premier. Il y en a pas deux autres là qui... Non. Non. Non, j'ai déjà essayé celui-là. Ouais, ou un qui descend. Non. Un qui descend. Ah. Ok. Oh. Je pense qu'il fallait faire des gants avec les chaussettes. Ah, c'est vrai qu'en vrai, ça aurait pas été bête. Hein. Ça aurait pu marcher. Hein. Non. C'est drôle parce que j'utilise toujours les mêmes, quoi. Là, ok. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y aurait une sorte de boucle. Non. Comme ça. Non. Ah, j'ai trouvé, mais alors, pif total. Bonjour. Ah, là, s'il y a un petit bout de câble... Non. S'il y a un petit bout de câble dans un coin à gauche, c'est que ça va, là. Un petit bout de câble dans un coin à gauche. Genre celui-là, là. Ouais. Ouais. Ah mais du coup là le fil... Ah oui non mais celui-là pas là. Là faut terminer la boucle. Non. Taquin. Non ça va, c'est vachement plus facile qu'un taquin quand même. Heureusement. Dieu merci. Là, les fils, ils sont forcément un peu droits, non? Ah ouais, celui-là va là. Faudrait qu'il y en ait deux, non? Pas deux qui vont vers le bas. Non, j'ai le OK. Je sais pas si c'est le bon celui-là, si. Pas totalement sûr. Ah si. Ok, donc là c'est bon. Je pense d'abord à aligner la luminosité des câbles avec le rebord. Ah oui, genre...
Genre, ouais, déjà, tous les clairs, là, ils vont pas en bas, quoi. Enfin, ils vont pas sur les côtés, je veux dire. Oui, oui, oui. Ah, ceux-là vont clairement ensemble, mais pas à cet endroit-là. Ah, je peux pas continuer ce chemin-là. Ah bah si, là, il y a une boucle, là, forcément, aussi. Non. Yes, voilà. Ah merde, j'en ai bougé un, là, non? C'était pas comme ça, tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? Zut. Non? Ah non, c'est peut-être... Non, non, c'est bon, c'est bon. J'ai rien dit. Je vais vendre des trucs toute seule. À l'aide. Yes. Et celui-là, il va là. Yes. Ok. Celui-là, je suppose qu'il trace. Ça doit être celui-là. Non. Raté. Un qui va tout droit. Ah, il y a que celui-là qui va tout droit. Celui-là, non. Celui-là. Celui-là, ouais. Ok, on avance, on avance, on avance. Déjà, on a fait tout le haut, à part ça. Ça match pas trop, là. Hein. C'est bizarre, non? Ça peut pas être lui. Non, lui serait bizarre aussi. Les deux du haut en bas, les deux rouges. Les deux du haut en bas. J'ai pas compris. Ah, attendez, celui-là va là. Celui-là va là. Bah non. Non, non. Là, au niveau des câbles, ça va pas. Putain, ça avait l'air de bien matcher, c'est con. Bizarre. Le câble tout noir, dernière ligne, quatrième case. Dernière ligne, quatrième case, celui-là. Pour lier le câble noir, première ligne, troisième case. Troisième case. Ah oui, bien joué. Ah non. Ah non, non, c'est pas celui-là. Non, non. C'est pas Louis, mais c'est lui. Ok. Ok. Oh mon dieu, j'ai du temps. En plus, je m'attendais pas à être tué par le clou, je m'attendais à être tué par la poupée. Oh fuck. Mais oui. Oh non, va falloir que je recommence. Je vais crever. Je vais crever. Je vais mourir. Ça sent la mort. Ouais. Oh là là. Bon. Vous savez quoi? Je vais m'arrêter ici, je pense, en soi. Parce que je commence à fatiguer, j'ai les yeux qui piquent et je suis en mode... Je sens que je vais galérer après. Je vais galérer, du coup. Ouais, en vrai, c'est chaud, hein. Après, c'est peut-être la fatigue aussi, hein. Peut-être que c'est pour ça que je suis mauvaise. On va dire que c'est pour ça. Eh. Eh. C'est pour ça. C'est pour ça. écoutez, en tout cas, je trouve bien cool ce jeu. J'espère qu'il vous a plu. Curse Roots, je pense qu'on va se continuer si ça vous convient. Moi, j'ai bien kiffé, il est bien cool. Et merci, c'est Basement Dive pour ton follow, bienvenue.